DJ Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tangwe Koki Oyo Yo Tangwango Yango Yo Ye Koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oye Ye Bien, merci. Bonsoir. Naba Congolais, Bele Baza Otala Bisoli Soussou. Nous sommes en direct de Kinshasa. Merci beaucoup, Narolanda Bisso. C'est une émission spéciale qu'on a voulu animer et vous présenter. Nabi Keba Congolais Baza Bele na Kinshasa, Ba Congolais Baza Bele na Europe, na Océanie, na États-Unis Baza Otala Bisso. Comme c'est vraiment important que sur le Ranaba Congolais, on a voulu bien mettre cette information à votre disposition. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand il s'agit de la République démocratique du Congo, il faut parler. Voilà. Nous sommes Tango Koki RDC, le temple de la méritocratie et du patriotisme. Moi, c'est Jésus Ankole Chamboui. Appelez-moi Jésus Ankole Chamboui. Alors, Bande Konangaï, c'est très important. Repé Sabiso, attention. C'est très important. Repé Sabiso dans l'Itoï parce que nous parlons de la République. C'est très important. Alors, chers Congolaises et Congolais, tola la lissou pongite. Biso tolobaki à chaque fois tokoya ko faire découvrir ba Congolais réalité à mboka na bango. La constitution de la République démocratique du Congo eza royebisa biso boye. Nous avons deux chambres du Parlement. Nous avons une institution appelée institution législative que nous appelons Parlement. Qui est composé des deux chambres du Parlement. Nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le Sénat. Nakati ya constitution ya mboka na biso bayebisi biso. Assemblée nationale est composée na 500 députés. Mais lelo tomoni na liste de pays ya Vital Kamerhe 513 députés liste bimi que nous allons présenter dans cette émission. Au lieu de 500, baza au foot à 513 députés. 513 députés, ba outi wapi. Namoni na kati ya 513 députés, ba bakisi. Namoni kombo ya Janine Mabunda. Namoni kombo ya Olivier Kamitatu. Namoni kombo ya Léon Kengo Wadondo. Namoni kombo ya Janine Mabunda. Namoni kombo ya Obe Minako. Namoni kombo ya Evariste Boshab. Namoni lisusu kombo ya nani ya Mboso Kodi ya Mpwanga. Mboso azozwa ba salaire mibale. Azozwa salaire lokola député ya lelo. Azozwa lisusu pe salaire lokola 13e député na liste ya 13 députés babimi. Révélation dans cette émission liste à l'appui. Ba Congolais baza olanda biso. Le clan Katumbi ba annonsaki ke arozonga Kinshasa, arozonga Congo, ako atterrir akoniata mabele a Lubumbashi, motako simba ye azate, ba annonsaki ke akoya Kinshasa, ako kitana Lubumbashi le 20 octobre. Nous connaissons tous que le 20 octobre c'était le dimanche passé. Et avait changement selon le calendrier de la descente de Katumbi. Et l'arrivée de Katumbi le 22. Le lot est le 40e. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Lubumbashi? Question mark. Il y a une mobilisation des militaires très plein au niveau de Luano. On ne sait pas. À toutes les résidences de Katumbi en surveillance. On ne sait pas. Les clans de Katumbi, palpitation totale. Et Zanini, est-ce que Katumbi a zongi? Bazaro se palpite nini? Bakomi kolobapona nini? Le clan Katumbi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que réellement Katumbi a un problème dans la justice congolaise? Est-ce que Katumbi, avant son voyage à Tikakelo Gomabe na Mboka, est-ce que le ministère de la justice, il y avait une ouverture, il y a dossier concernant Katumbi, concernant des dossiers ça et là, il y a réhabilitation d'un aérodrome au niveau à Pueto, précision dans cette émission. Et vos apaisements. Et aussi, on nous dit, au niveau, il y a territoire, il y a Walikale, le week-end passé, bah, rebelles, sous l'appui, il y a armée rwandaise, il
M23, RDF, AFC, armée rwandaise, bakota ki ba occupé la localité ya Kalembe. Et la localité de Kalembe, c'est au niveau ya territoire ya Walikale. Alors, les territoires de Walikale eza frontalier. Les territoires de Walikale eza côte à côte et kangami na territoire à Masisi. Alors, tôt ce matin, tomoni les jeunes résistants wazalendo tout fait tout flamme ba bengani et belé ba kufi et belé balali na se et belé pe bakimi. La localité de Kalembe est sous contrôle des forces loyalistes ba FARDC na ba wazalendo et ba M23 o bakimi. Lorsque baza okima bake Masisi, on nous annonce déjà ce soir au niveau ya cité, ya localité ya Sake, il y a aussi de la menace de ce côté-là. Et vous le savez, Sake c'est non loin de la ville de Goma parce que la ville de Goma aussi est visée. Sake est menacée, il y a des affrontements et ça na ba cantonnier o baza o sala musala baza o bongisa national na biso more za la kawana nzela. Il y a des certes agricoles et zalaga au niveau de Sake pour arriver jusqu'au niveau national numéro 1 et qui chute vers la ville de Goma. Baby Sibiso, Bamason, Bakantonio, Baza Osala, Misalawana, Baza attaqué par les rebelles à ba M23. Précision dans cette émission parce que les Wazalendo sont déjà en route pour aider nos cantonniers, pour aider aussi nos amis congolaises et congolais. Baza Osala, Musala, Nanzilawana. Max KBC, est-ce que la ko banda siko? Les titres de l'émission rapidement. Bande ko esa butu baza ota la biso belé to solo la ko pema. Boebi ke Jésus encore la zalara mingi na tongo mena yena lo mbango pour que na solo la na bande ko baza ota la biso. Max KBC na kokoba. Merci beaucoup. Les titres de l'émission très rapidement. Boum. Katumbi retourne à Lubumbashi et Indi FARDC de Miap. Sake envahi par le M23. VK rattrapé KO. Alors, je débute par la première information liée au KO rattrapé par Vital Kamerhe, Assemblée nationale. Ba Congolais bison stoyebi, élection législative, élection à ba députés nationaux, tangwe salamaka, et zalara pour kaka 500 députés, ba kota na parlement. Mais lelo o biso to voté 500 députés. Mais toza o mona na tango ya ko futa bato na liste ya ba député to moni 513 députés. Révélation dans cette émission. Est-ce que Max KBC oza na biso longo la photo miniature, comme ça vous allez afficher une photo qui va justifier ce que nous sommes en train de dire, parce que boyebi biso ba biso tango ko ki RDC toza bato balabala te toza bato o tolo bakabo solo e bo solo na biso c'est pour éclairer l'opinion publique na bakambweza osalama. Alors Max KBC sokoze longo na biso la photo miniature, après ça vous allez nous aider avec la photo que nous allons vous envoyer. Vous allez voir binomoko liste ya ba député totikala komona bango ko posilete ebele pe baza ba ta PPRD. Est-ce que bureau ya assemblée nationale komi bureau ya ba ta PPRD te? Pona nini kozong sabata peper de kala na batu ya Katumbi na bureau ya Assemblée nationale na liste ya ba député nationaux Max KBC la kisabiso babiloko na tindelio liste ya ba député o esengela kite bazala na parlement na biso mi bazawana. Révélation précision dans cette émission. Max KBC soko bungami tokoki déjà koleka, mais avant cela je vais lire info du jour tango za obungama info du jour, comme ça vous allez rapidement afficher les informations autogomètres à votre disposition. On y va, nous sommes là. RDC, exclusivité. Olivier Kamitatu et Léon Kengoa Dondo parmi les 513 députés, sources gouvernementales. Les sources gouvernementales ont expliqué à la rédaction d'Opinion Info que les anciens chefs de corps vivants ici du Parlement congolais ont été associés dans la rubrique de l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances exercice 2025, ce qui ramène le chiffre de 513 unités députés nationaux en lieu et place des 500 officiellement
pris en charge par l'État congolais. Pendant son élaboration, le projet de loi du budget subit des examens approfondis avant que ça ne soit débattu au Conseil des ministres. Il a été voulu que les anciens présidents du Parlement soient incorporés sur le libellé de l'Assemblée nationale, renseigne une source au ministère du budget. À ce sujet, il faut s'atteler à ces explications. Ces personnes ci-dessous bénéficient de ces avantages. Nous avons la liste. Est-ce que Max Kabese, la liste est là? La liste des 13 députés Sika Oba Kotisi Oba Kokisiko, 513 députés. Si la liste est là, je peux commencer à lire. Voilà la liste. Au numéro 1, Olivier Kamitatu, Philomène Omatuku, Thomas Louaka, Vital Kamere, Évariste Boshab, Obé Minako, Janine Mabunda, Christophe Mbosoko Diampuanga, Léon Kengo Wadondo, Alexis Tamwemwamba, Baati Lukwebo, Marini Bodo, et à la fin, nous avons Obé Minako. Donc ici, bas Congolais, il faut pas comprendre. Sur les 500 députés, Obiso Toyebi, na parlement, bakomi 513 députés. Na kati ya parlement, bana reseje kaka 500. Mais na kati ya liste de pays, bana refouta 513. Na 513, yon a baza banani. Bazui ba ancien président ya Assemblée nationale, na ba ancien président ya Sénat, ba koti si bango na kati Assemblée nationale. Na Sénat bazui 4 personnes. Bazui Léon Kengo Wadondo, bazui Baati Lukwebo, bazui na Marini Bodo, na Alexis Tambwemwamba. 4 sénateur lelo bakomi ba député na liste de pays Assemblée nationale pendant que ba infirmier ba futa mate, pendant que ba médecin ba futa mate, pendant que ya grève du côté ya ba enseignant école primaire, mais ba bendi lisusu 4 personnes na Sénat. Bazui Marini Bodo, bazui Léon Kengo Wadondo, Alexis Tambwemwamba, bazui na Baati Lukwebo bakoti si bango na kati ya Assemblée nationale. A part wana, bazui lisusu Obé Minako, bazui Thomas Louaka, bazui lisusu Olivier Kamitatu, bazui Janine Mabunda, Philomène Omatuku, bazui Vital Kamere ya 2006, Vital Kamere ya 2023-24 awa, bazui Christophe Mbosoko Diampuanga, bango nyon sosiko esali 13. Na 13 wana bakole bango na 500. Lelo oyo, salaire à ba députés nationaux est en danger na $15,000. Sur les $15,000, baro fouta 500 députés, ba ebisi biso bako ajouté encore 13 autres parlementaires autotiko cité na liste. Est-ce que KBC? La liste est là? To répéter la liste. Na liste basa wa ebisa biso, batu bako fouta ma pe, nenge mwona ba Eliezer, bato baro futama ndenge mona ba député national tozana bango sikoyo tomoni Olivier Kamitatu, Philomène Omatuku, Thomas Louaka, Vital Kamere ya 2006, Évariste Boshab, Obé Minako, Janine Mabunda, Christophe Mbosoko Diampanga ya 2023, tomoni Léon Kengo Wadondo ya Sénat, tomoni Alexis Tambwemwamba ya Sénat, Baati Lukwebo ya Sénat, na Marini Bodo ya Sénat ya transition. Bako banda kozwa mbongo. Baba na yeko zwa teme, ya une loi créée na kati ya loi de finances. A partir ya 2025, baba na kozwa mbongo. Mbongo yango etonga banzela bozo pesa bato po na nini. Eske Kengo Wadondo azasu na bezwa mbongo wana? Ba mbongo nyoso ba obemi nako bazui. Eske ba yasu na bezwa ba mbongo wana? Bambongo baboshabu bazui na mboko. Est-ce que basu na besoin mbongo wana? Revisitons cette loi. Na lingi yaya nangai. Honorable Ndeko Eliezer Ntambwe,
Télémélangé loco na parlé melekate. Le professeur député national Godin Poi. Télémélanga et loco na parlé melekate. Les 13 autres députés balingi ba koti sanakati ya 500 députés o biso to votaki. O biso to toyebi to boyi bango. Mbongo o ba kofuta ba député wana sur la rémunération au bafouta raba député multiplié par 13, ça peut aider pour les enseignants, ça peut aider pour la gratuité enseignement, pour la gratuité à maternité. Faisons très attention. Vital Kamerhe Sungabiso, pardon. Mwalimu, Vital Kamerhe, pardon, Sungabiso. Ba Congolais, ke na koko, ba toza boutou, na koba, s'il vous plaît. Alors, nous sommes là. Nous sommes là. Continuons maintenant. On nous annonce ceci. Faisons très attention. Quand il s'agit de la République, il faut mettre beaucoup d'attention à Makambotoza Osa. Le ministre de l'Intérieur a déjà au niveau à Kisangani. Ministre intérieur Jacquemain Chabani a déjà au niveau à Kisangani. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a qu'est-ce que ça, Kisangani? A qu'est-ce déjà pour préparer l'atterrissage, l'arrivée, ya Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déjà demain le mercredi, Mokonzamboka zo koma na Kisangani. Mokonzamboka zo kende ko sa na Kisangani nini? Mokonzamboka zo kende ko inaugurer aéroport ya Kisangani. Badongolo miso, baini ekolo, ba Kongolo ba kota motum PC ba komi koloba ke c'était Kabila na tongi aéroport wana ten l'aéroport ya Kisangani ba travaux ezalaki lancé par Kabila mais ba travaux elalaki. Oui, les travaux ya construction ya réhabilitation ya aéroport ya Kisangani ba lansaki misala à l'époque ya Kabila. Les images sont là. Mais Kabila tellement qu'il était négligent, Kabila tellement qu'il abandonné les rolinga Congo té, o etalaki Congo ezalaki nango apanage na été et Kabila avait rejeté tout ce qui était comme bénéfice et pas ba congolais et ba travaux et là qui vandaki RVA sous l'impulsion à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndeto moni sikoyo makambu etelemi. Makambo komo salama aéroport ya Kisangani etongami lelo esili banzela etongami oyeza ko bimisa bato na aéroport kino na niveau ya centre-ville batongi yango esili e mokonza moka azaya ko bongama po akita lobby na niveau ya Kisangani akutana bande kone ya Kisangani ba mancha mumbenu na ye et comme ça il va cohabiter avec les boyomes et boyome et mokonza moka va inaugurer l'aéroport ya Kisangani. Et c'est pour cela, déjà, le ministre, le vice-premier ministre, ministre intérieur, Jacquemain Chabani Maître, a déjà sur place pour la mobilisation à ma service à sécurité pour l'accueil Yamokonzamboka et Salama dans de très bonnes conditions. Le président de la République arrive demain à Kisangani. C'est très important de signaler cela aux Congolais. Alors, prenons axe. Est la République démocratique du Congo avant de chuter au dossier Katumbi arrive à Lubumbashi. Hein? Token est dossier, yes, la République démocratique du Congo. Max KBC, nous avons combien de minutes déjà? Alors, très rapidement, nous allons lire. Lisons ensemble. Nous sommes là. On nous annonce une information de taille que nous allons aussi décortiquer dans cette émission. RDC, depuis hier, il y a eu un changement. Les éléments FARDC ont attaqué et ils ont récupéré Kalembe et Ioula. Le rebelle du M23 n'est pas loin. Les rebelles sont juste à quelques kilomètres de Kalembe. On ne sait pas la suite. Voilà comme rapporte actualité CD.CD. Mais selon cette information, la localité de Kalembe, où est dans la quatrième territoire, il y a Walikale et territoire à Walikale, c'est juste à la fin
il y a province, il y a Nord Kivu, parce que territoire, il y a Walikale, et ça, territoire moko urbano-rural. Bazamba bisobe zebele. Bato bazamba mouke kotoyo, mais bisobende ezui une grande partie, il y a territoire, il y a Walikale. Et de l'autre côté, en sortant vers Walikale, bo okay, na province orientale. Et c'est pour cela, le rappel du M23 visait déjà de pénétrer la province orientale, à part leurs occupations, la province du Nord Kivu. Mais Dieu merci, le FARDC, notre armée, et aussi les résistants jeunes Wazalendo, ba attaqué, ba repoussé bango. Et ba repoussé bango, ba bimi complètement na territoire ya Walikale, ba ke ba chité vers territoire à Masisi. Et du côté à territoire Masisi, nous avons aussi notre localité cité que nous appelons Sake. Et Sake, c'est à quelques kilomètres, des dizaines de kilomètres de la ville de Goma. Et suite aux gifles au bazui au niveau Yakalembe, parce qu'on nous signale qu'il y a eu plusieurs morts, plusieurs blessés, plusieurs disparus, et plusieurs autres ont pris fuite. Alors, suite à cette colère-là, et il commence maintenant à attaquer la population civile au niveau de Sake. Et bien, Bissibiso, Bande Konabiso, Bakantonio, Baza, Obongisanzela, Sake déroute un peu en desserte agricole. Et de l'autre côté, au niveau national numéro 1, national numéro 13, quelque comme ça, et bien, comme il faut attaquer Bato Baza, Obongisanzela. Et c'est pour cela, Tomoni, il y a eu un message du porte-parole, il y a Bawazalendo. Basengi aussi un ravitaillement il y a la munition et aussi de certains hommes parce que certains Wazalendo sont appelés à former bloc pour aller maintenant aussi attaquer du côté à Sake parce que on ne peut pas laisser Sake ouvert comme ça parce que Sake c'est à la porte il y a ville il y a Goma c'est très important mais il y a de la calmie de ce côté-là tout est au contrôle il y a bas service d'Abisso les services de sécurité FARDC Bande quoi DGM aussi au niveau de la frontière, Baza vraiment éveillé. Et aussi, nous vous disons que le FARDC va envahir déjà la zone ébélée. Et de l'autre côté, le Wazalendo aussi va bimi du côté à Ituri pour prêter main force. On nous signale plus ou moins 1000 hommes, 1000 Wazalendo, Baza maintenant, Nakati, la province à Ituri, pour former un bloc pour que la province à Ituri. Et ça la sous menacée et déjà les ADF Nalu au Baza qui attaqué province à Ituri sont contre-mirs suite à l'entrée des Wazalendo qui sont aussi tout fait tout flamme de ce côté-là selon les informations au Bande Konabiso ba correspondant Baza qui rapporté les biso de ce côté-là. Alors Max KBC prenons maintenant l'angle le retour de Moïse Katumbi. Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les Congolais sont là très rapidement? Est-ce que les Congolais sont là? Max KBC, ça n'a pas dérangé l'émission. Alors, nous connaissons tous les dossiers liés à Katumbi. Katumbi, Bazaro Ebisabi, soke, c'est un homme social. Ayaka Kokunda Bibembe, soki, ba famille, Bazan, la possibilité à Kokunda te. Katumbi aza na équipe amonene ya football, Katumbi aza ko réhabiliter ba stade, Katumbi aza ko aider na borfelina, Katumbi aza ko sala ba geste belé, ba activité ya générosité belé, oui c'est bien bon. To beteli Katumbi maboko, to encourager parce que nous avons besoin de telles personnes. O baza ko sunga, o baza ko réhabiliter, o baza ko sala quoi que ce soit, c'est très important. Mais on dit ceci. Biso ba chrétien to lobara ceux qui le boko à gauche et kabi le boko à droite et batté ceux qui le boko à droite pe pesi le boko à gauche et batté mais il y a toujours de la publicité par rapport à tout ce que Katumbi fait so Katumbi a sali faut les canaux télévision faut ba comment on a jeune Afrique faut les canaux RFI faut les canaux TV5 il faut les canaux France 24 pour ba ki Katumbi a salaki et maintenant il y a des lois de la République Oyo et réglementa kaba secteur ébélé. Alors, il y avait un tout dernier dossier outsay kobima awa par rapport ya makambu et les kaki na territoire ya Pueto. Na territoire à Pueto, le territoire à Pueto c'est au niveau ya Okatanga. Et le territoire à Pueto c'est l'un des territoires où ils en non loin na Zambie.
Alors, Bataille qui a annoncé Bisso, Katumbi avait lancé les travaux, il y a réhabilitation, il y a embellissement d'un aérodrome au niveau à Pueto. Et à part cela, il y avait aussi un centre de santé et quelques établissements au Katumbi à Bataille qui ont réhabilité. Et après un certain temps, tu as dit que le service à sécurité a eu la perquisition. Et le service à sécurité a interdit les travaux Oyo Bandeko ya Katumbi Bandeko Sala na site public, na endroit public. Parce que avant de réhabiliter, avant de construire, avant de poser des actions sociales, il faut au préalable avoir l'autorisation ya ba service de l'État. Mais selon certaines informations à notre disposition, et je le dis au conditionnel, Katumbi n'avait pas obtenu l'autorisation, il y a qu'au réhabilité, il y a aussi la Moussala, l'aéroport Oezana, territoire à Pueto. Et après cela, lorsque le service à sécurité na Bissau, qui même qu'on découvrir une grande quantité d'armes, et la personne qui assurait la surveillance est entre les mains, il y a le service à sécurité, et après quelques heures, Bisson Stoyoki, le déplacement, la sortie dans le territoire national, il y a Katumbi, à quai à l'étranger. Bas service éthique conditionné, la personne arrêtée, tout le monde qui m'a dit qu'il y a Bisson, il y a Bisson Moussoussou. Alors, le clan Katumbi et le baki que Katumbi n'a pas un problème avec la justice congolaise. Katumbi n'a pas un problème avec l'État congolais. Oui, c'est bien bon. Katumbi a un voyage privé à l'étranger. Katumbi va regagner son pays, la République démocratique du Congo, le pays de son père, le pays de sa mère. Oui, c'est bien bon. Katumbi, c'est un homme de générosité. Katumbi, c'est un homme social à Posakaba, actuellement pour aider la population congolaise. Parce que selon les 145 territoires, un projet géant lancé par le président de la République, Katumbi avait vu que au niveau et à territoire à Pueto, il n'y avait pas la visibilité ou encore l'effectivité. Il y a 145 territoires à Mokonza Mboka, il y a Kendaki, à réhabiliter l'école, à réhabiliter le centre de santé, à Tongape, aérodrome Wana. Et comme ça, et Sunga, na cadre à 145 territoires. Mais Mindou ke bimi wapi. Alors, le commun des mortels, baza omonake, Katumbi préparait le terrain pour le chaos. Le commun des mortels voyait que Katumbi préparait le terrain pour l'arrivée de John Numbi, de Gédéon Kyungu et autres pour infiltrer ou encore pour occasionner une infiltration dans le territoire congolais. Et c'est pour cela qu'il y avait d'abord stop des travaux. Il y a mis ça là, il y a territoire, il y a aérodrome. Katumbi est allé à l'étranger. Bato Balobi n'a pas été allé à Balobi que Katumbi a rejoint le Suzuté. Soki Katumbi a zongi ba okanga Katumbi. Alors, le clan Katumbi ba yeko annonce que Katumbi est à l'étranger pour un voyage privé. Katumbi va regagner son pays le 20 octobre. Bon, nous, on ne peut pas interdire le retour d'un Congolais. Si aujourd'hui Katumbi peut retourner au Congo, il n'y a pas de problème. Si Kabila veut retourner au Congo, il n'y a pas de problème. Si Nanga aujourd'hui juge très bon de retourner à Kinshasa, ce n'est pas un problème. Et qui encore, le Franck Diongo, le Jean-Jacques Mamba, le Laurent Zokoko, Bango Nyon Sowana, ceux qui ba kale badats na bango, ba somina biye na bango yavion, po baya Kinshasa, baya Lubumbashi, baya Goma, baya n'importe quelle ville y a République démocratique du Congo, ba service na biso bako interdire bango ti. Ba interdisara plus na moutou alingi abima. Mais ba interdisara te na moutou alingi akota. Parce que ngai ana zaboui. Si j'ai des problèmes avec la justice, ceux qui n'ont mis son billet avant que le service baye ba, ceux qui n'ont commis à niveau aéroport en Djili, ba kangai. Ba safu, ba kangai aéroport en Djili. Salomo Kalonda, ba kangai aéroport en Djili. Ba te belé au rolinga obima. So komi kan aéroport en Djili, ba service eze belé ba kangayo. Mais ceux qui ont aussi di banda, po okota, ba okango likolo ten, ba opekso likolo kitaten, vous allez atterrir. Et c'est pour cela que nous appelons à Katumbi d'atterrir, de venir. Comme ça, il va subir la rigueur de la loi. C'est bien de parler,
c'est bien de, d'envoyer ou encore de financer des revues de presse, de presse écrite, ainsi de suite, de presse même internationale, des médias internationaux, de parler à votre nom, de décrédibiliser l'État congolais, le régime de Tshisekedi. Oui, c'est bien bon. Mais en soi, le cœur des Congolais est ebi mabeza api mabeza utapi. Congolais, faisons très attention. Ne laissons pas le champ libre. Ne laissons pas la route libre aux détracteurs, aux personnes de mauvais goût, aux personnes qui réfléchissent toujours le mal des Congolais et pour le compte de leur bonheur. Non! On n'a plus besoin de ce type de Congolais. Oui, nous savons ici qu'à ton outil, tu es bien si qu'à ton commis, et tu as un loukato qui est si qu'à ma lame. Mais si qu'à ma lame, n'a n'y a rekoumba biso. Si une voiture, si un véhicule est conduit par un chauffeur ivre, non, ma tate. Ce qui n'a monimo tout kamoro moutaza okumba yangwa za moutami langwa na matate. Nous serons prédisposés à un accident. Nous serons ouverts à un accident. Toropé sakatumi mboko akumba bisotin, mboko eko tekama eko kabwana. Toko permettre kabila zonga na mboko te mboko eko koufe eko kabwana. Nous avons quelqu'un qui a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti de la tombe. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Et Tshisekedi est venu au niveau de la tombe de la RDC. La RDC sort, la RDC sort, la RDC sort 4 fois. Et la RDC est sortie. Alors, essayons de canaliser, essayons de réfléchir, essayons de mettre tout en place pour que le Congo puisse aller de l'avant. Et c'est pour cela que le président de la République, Félix Tshisekedi, Azala qui n'a raison à Koloba. Entre repartir à zéro et consolider les acquis, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Na kozonga na kaza départ à ba Rwanda, ba Katumbi, ba Kabila, ya banania asuboi. Entre repartir à zéro et consolider les acquis autozui, la gratuité de l'enseignement, un président congolais de père et de mère, un pays avec un état de droit. Bien sûr que la justice est malade. La justice Oezoa qui est infectieux à VIH pendant que Kabila était ici. Tozo pesa bango, tozo pesa justice na biso ba médicament Oezoa au big c'est yango kala mingité. Boza omona mangambo ango. Alors, coup de chapeau na mokonza bora za Hollande biso, coup de chapeau na ba service sur la sécurité na moni ba kondi ya demiap. Naza ole la demiap mikolo makasi. Ba kondinyo sur demiap. Le général Christian Dayuel, il y a demiap na pe sur mbote. Na côté à aner na moni AG à aner na pe sie mbote. Na côté à DGM na moni AG à ya DGM Kashwantale na pe sie pe mbote. Na moni li sous côté à FARDC général d'armée Christian Chiwewe musaleza osalama malamu na pe sie mbote. Ba service tout ya sécurité na la police na FARDC na demiap na aner bango tout na pe sie binombote parce que Moïna solo que sika ya kokota zo kokota te. Moïna solo ka ba mécanisme no so rosala mais ça ne tient pas. Mars KBC, est-ce que na koko ba bena sukila ao? On s'arrête par ici, on s'arrête par ici et comme ça nous allons continuer. Alors on nous informe encore ceci. Très rapidement Mars KBC, très rapidement pesa biso minute mi balé misato. Très rapidement toko ou mais la télé congolais sont là. Comme ça, d'autres informations de Stéphane Balamwangé va revenir. Alors, on nous dit ceci. Makamboussa. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans un pays, Oyo, c'est comme la Terre tourne tout autour du Soleil. La rotation et la translation. Nous allons lire Marc Sabessé Info du jour rapidement. Voilà, nous sommes là. RDC, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni le lundi à la cité de l'OIA, cité de l'Union africaine, le responsable du secteur judiciaire, membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Selon
Monsieur Dieudonné Kamuleta, cité par la presse présidentielle, l'objet de cette séance de travail était d'échanger sur les différents points dans le domaine de la justice dans l'objectif d'améliorer l'administration de la justice. Alors, pour le ministre de la Justice, Constant Mutamba, le magistrat suprême a donné les désorientations et instructions précises pour améliorer la manière d'administrer la justice au profit de la population. Donc, par là, on dit, Max KBC, que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui fait directement office du président, il y a Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de polémique, il y a une cohabitation, il y a une harmonie. Et je dis encore, entre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et le PGR près la Cour de cassation, Firmin Vondé, et l'or m'a bézaté. Parce que bango nion son lobby le soir, bazalaki devant le magistrat suprême. Le magistrat suprême, c'est qui? C'est le président de la République, Fatou Beton. Bolingweza entre bango. Tomunani bango nion son ministre Constant Mutamba. Apesi ba papa na embote, apesi ba yaya na embote. Le PGR Firmin Vondé, c'est un papa pour Constant Mutamba. À part d'abord des responsabilités na niveau, il y a l'État. Oui, nous avons un ministre de la Justice, nous avons un PGR, il y a Cour de cassation Firmin Vondé. C'est un papa d'abord pour ministre de la Justice et tomoni harmonie entre le magistrat, le cour et tribunaux, le juge, tomoni aussi ministre de la Justice, donc il y avait une nette collaboration. Cessons avec la polémique, allons en avant. Tola Moussa, Mbo Kanabiso, Justice Nabiso et Télema, c'est très important. Merci beaucoup, Nabande Kono Sobakome Libiso. Merci beaucoup à Maman Sophie Kiboba, Talibiso ce soir. Namoni, Jisse Malapa, Talibiso. Jonas Timba Talamankou, merci, salutations spéciales à toi. Et Mbo Telisusu à mon ami qui me suit depuis Ottawa. Namoni, Trésor Djamba, un Congolais de moins à Kinshasa, mais un Congolais de plus, na capitale à Canada, c'est Ottawa. Trésor Djambaza Olanda Biso, na pesi ba Congolais kili kili makasi baza otala biso lokola ba Laurence Kitokolola, na moni ba Jonas Santim Batalamaku, na moni boza ebele ba Rachel Doul, boza otala biso, na moni mon vieil Jean-Marie Pongi Pongi depuis Lille na France, na pesi mboti. Alors, il y a pas de souci, le programme continue sur temps au Koki RDC, Max KBC, tout ce qu'il y a. À la prochaine, à tout à l'heure. Stéphane Bala Mwangi Congo ya Lumumba Congo Ta fachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngoya ngoyo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala Mwangi Oyeye oh, yeah, yeah.